Il n'arrive plus à les compter. Ce sont les populations qui les lui rappellent. Tellement ses réalisations socio-communautaires sont nombreuses dans la 8e circonscription électorale. Ayant une réputation à tenir, celui du philanthrope du Borgou, il répond toujours à l'appel des populations quand elles ont besoin de sa présence. Bien qu'ayant déjà parcouru la majorité des quartiers de Parakou, Laura Rachidi Bendamassi continue d'être sollicitée par les populations pour lui exprimer ses doléances, car elles savent qu'avec lui, le mensonge politique n'existe pas. C'est au retour de l'une de ces rencontres que Laura Bendamassi a été récupérée par les femmes du marché Azeké qui voulaient l'entendre. Après un bain de foule avec ces dernières, il leur a dit: le marché de Parakou a une histoire. En tant que premier maire de la décentralisation, entre les femmes de marché Azeké et moi, c'est une histoire d'amour. Parce que qui vous souvient, mon premier indemnité en tant que parlementaire, j'ai donné ça pour les femmes de marché Azeké. Et lorsque j'étais aux affaires, j'ai pratiquement diminué le prix des marchés fois deux. J'ai diminué ça à moitié. Donc les femmes que vous voyez, lorsque j'étais aux affaires, je les avais organisées. Les femmes de Parakou étaient divisées en zones. Et il y avait les femmes balayeuses. Donc, naturellement, ces femmes que vous voyez, il y a longtemps que je les marque. Je ne suis pas un opportuniste. Au moment où elles avaient des problèmes, j'étais avec elles. Donc c'est une histoire d'amour entre les femmes du marché Azeké et moi. Entre les femmes du marché de Parakou et moi. Je suis venu ici pour leur dire, cette élection est une élection législative. Ce n'est pas une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection de Talon. Ce n'est pas une élection de Yaïboni. Ce n'est pas une élection de Soglo. C'est une élection de Bendamassi. C'est Bendamassi qui est candidat. C'est Adam B. Samou qui est candidat. C'est Mariam Babamoussa qui est candidat. Vous voyez? Donc, nous, qui sommes pour eux, quand ils sont en difficulté, c'est nous qui sommes candidats. Donc, je vous aime, je vous aime, vous êtes belles, c'est fini. C'est fini cette comédie. Je vous aime, je vous aime. Et les enfants sont au chômage. Vous êtes belles, très belles. Et les enfants sont... C'est fini la comédie politique. Aujourd'hui, Parakou attend 69 milliards pour faire la route. Parakou, vous allez à Titirou, Okedama, Banikani, Bamora. Donc, c'est justice. Donc, tout sera goudronné, bituré, électrifié. Donc si nous votons mal, on pourra perdre ce financement. Donc nous voulons voter utile. Je suis venu conscientiser les femmes du marché à Azeké, leur dire de voter le bloc républicain, le cheval blanc cabré. Le cheval blanc cabré. De Nima à Zongo Zeno, en passant par Albarika et Okedama, Laura Bendamassi a partagé avec la population la vision du bloc républicain, sans oublier de les mettre en garde contre les machinations politiques de ses adversaires. Il n'y a que nous, vos filles et vos fils, c'est nous qui pouvons parler en votre nom. Et dans eux, il y a une différence entre les autres et nous. Nous voulons la paix. Nicéphore Soglo a fini son mandat, il est resté calme. Il n'a pas perturbé le pays. Mathieu Kérékou, mon cher papa, paix à son âme. Il a fini son mandat. Malgré qu'ils l'ont taquiné, il a refusé de mettre le pays à feu et à sang. Il est resté digne et sage. Nous demandons à notre grand frère. Il a fini son mandat. Nos enfants sont encore en prison. Les femmes ont tellement entendu que les femmes sont maintenant enceintes. Les enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils sont en prison. Nous sommes en train de demander pardon. On n'a pas encore fini de résoudre ça. Au même moment, les enfants de ces emprunts sont à l'étranger, en France, aux États-Unis. On envoie les enfants des pauvres affronter l'armée.
Aujourd'hui, la population de Parakou a compris. Ça ne marchera plus. C'est une seule fois qu'on pétine les persécutés d'un aveugle. Prochainement, l'aveugle doit ramasser. Aujourd'hui, on ne veut plus la guerre. Nous demandons à nos grands-frères d'être aujourd'hui comme Mandela.